Shalom, amour et amoureuse de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, bien-aimé. Moi aussi, ça va partout où vous trouvez. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé. Et je tiens vraiment à remercier mes frères et sœurs qui m'envoient toujours des vidéos pour édifier le peuple de Dieu, pour que nous puissions être vigilants parce que les loups ravisseurs sont déjà au milieu de nous. Comme vous voyez sur la vidéo, bien-aimé, vous voyez un humain qui est en train de chasser les démons. Vraiment, c'est du nouveau ça, du côté de musulmans. Donc, comme on mélange tout, il y a déjà des églises aussi, je vais vous montrer ça après, qui commencent maintenant à se mélanger. On appelle ça église musulmane chrétienne. Ça alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin vraiment. Nous voyons ça vraiment. C'est notre génération qui va voir le Seigneur Jésus-Christ arrive, bien-aimés, pour la seconde fois, pour venir nous prendre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça ce que le Seigneur nous a parlé, bien-aimés. Vous voyez des choses comme ça? Les musulmans qui chassent les démons maintenant. Et moi, je sais que la parole de Dieu nous dit, il avait dit lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, moi, je me demande, le Messie, il chasse les démons avec quel nom? Le nom de Mohamed ou bien le nom de qui? Moi, je ne sais pas vraiment. Donc, j'aimerais que quelqu'un puisse nous dire vraiment la vérité qui se passe là-dedans, dans des églises qu'on nous a imposées ces derniers temps, de se mélanger à cause de notre Messie là qui est au-dessus. Messie qui porte les chapeaux. Je pense que vous le connaissez. Je salue ma bien-aimée, ma sœur Gladys. Toi qui sais comment il faut appeler ces gens-là. Parce que quand on les appelle, c'est un problème. Sinon, on va bloquer la vidéo. Donc, nous sommes là, c'est pour nous dire la vérité, bien-aimée. C'est pour sauver nos âmes. Alors, il est en train de chasser les démons. Avec quel nom, bien-aimé, dans le Seigneur? Les démons se soumettent seulement au nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les noms. Oui, c'est ça.